Moi, c'est passé un peu difficile parce que j'étais en dehors, sans abri, pour quelques semaines. Alors, je vous programme hop dans la salle internet de AFPA. Hop, c'est un programme national pour l'aide pour les réfugiés. Le programme hop. Spécialement signifier un sport pour quelqu'un qui est venu en France et connaît rien. Et très important, c'est très très sport pour la civilisation ici en France. On avait deux périodes. La première période pour apprendre français était normalement avant je parle rien, je ne parle pas bien français. Après commencer cette formation, j'ai appris français. La deuxième période était formation professionnelle avec un diplôme. C'était la première fois que je vais comme formation comme ça et c'est très grande chose pour un réfugié qui connaît rien. Ils ont essayé pour se concentrer dans la communauté de France. Normalement, je dirais remercier pour AFPA, pour Hop, pour Perfecteur, pour avoir comme programme national comme Hop pour l'aider pour les réfugiés. Ils ont beaucoup d'expérience pour comment former l'étudiant et on était content. Ouais, et on était très très assez heureux. Tous les camarades pour bien apprendre le matériel, la langue française et pour commencer une nouvelle vie. À la fin de la formation, j'ai obtenu travail avec titre professionnel. Ça fait 5 mois que je travaille. Pendant ça, je suis content. Et je reçois une offre proportionnelle de logement pour la préfecture et c'est ça que je vraiment vaut le positif du programme Hop quand on fait pas formation et sans diplôme de travailler en France c'est difficile vraiment je n'avais rien avant et ça c'est un comment je dis ça c'est un positif de le programme de Hop qui montre nous comment on développe une vie, comment on fait le papier administratif, comment on travaille, et comment être assez heureux. Vraiment, c'était très très bon programme de ma vie. Sarah prend le diplôme de CACES 3 et 5 et j'essaierai faire une formation technicien de logistique si possible pour l'avenir, mais pour l'instant, je dois travailler pour avoir logement, pour amener ma femme, c'est tout. Et je leur ai toujours dit qu'ils viennent, s'il vous plaît, change votre vie avec l'autre. C'est vraiment une grande chance pour quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose en France.